les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Vendredi 1er juillet, bonjour à tous et bienvenue pour le point de bourse de ce jour. Au programme, le CAC 40, l'action Iliad, le DAX 30 de voisin allemand et la parité livre sterling euro. Le CAC 40 a hier enregistré une quatrième séance de hausse consécutive, terminant ainsi à proximité du seuil symbolique des 4000 points. La proximité d'une résistance ainsi que la pression baissière de la moyenne mobile à 100 jours nous incite toutefois à la prudence. Un repli technique semble en effet possible en direction des 3880 points. Et parmi les actions françaises, Iliad a enregistré un nouveau plus haut historique. Malgré la conjoncture incertaine de ces dernières semaines, le titre du fournisseur d'accès Internet conserve la faveur des investisseurs. Le mouvement ascendant a donc tout lieu de se poursuivre au cours de l'été en direction des résistances psychologiques situées à 95 euros puis 100 euros. Voilà pour les valeurs de l'Hexagone. Tout de suite, un mot de nos voisins d'Outre-Rhin, le DAX 30 et de la parité livre-sterling-euro. À Francfort, le DAX 30 s'est également vivement apprécié ces derniers jours. L'indice allemand avait de plus bien résisté aux inquiétudes concernant la Grèce ces dernières semaines. La moyenne mobile à 150 jours, ici en bleu, confirme que la dynamique demeure haussière à moyen terme, ce qui permet d'envisager un nouveau test du plus haut annuel à 7530 points courant juillet. Et enfin, du côté du Forex, enfin, l'apaisement des craintes concernant la Grèce a permis à la monnaie unique européenne de se renforcer, notamment face à la devise britannique. L'euro évolue ainsi sur de nouveaux plus hauts annuels et devrait poursuivre en ce sens, en direction des 0,914 puis 0,913 livres à moyen terme. Voilà pour les valeurs du jour. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle séance et un excellent week-end.